Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette période de nouvelle lune en Sagittaire. Je reviens vers vous après, encore une fois, un voyage artistique où j'ai finalisé un projet de spectacle. Donc, comme vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent, je n'ai pas fait la guidance pour la dernière pleine lune. Il s'est passé aussi pas mal de choses cet automne avec le portail énergétique du 11 novembre, avec les éclipses. Bon, je ne vais pas faire toute la liste. On a replongé un petit peu dans d'anciens dossiers et on en ressort tout juste avec un petit peu plus de légèreté, notamment je suppose, enfin je le ressens comme ça, avec cette énergie du Sagittaire qui nous invite à plus d'aventure, de libération, de liberté, de joie, de spontanéité. Donc c'est tant mieux, on en profite, on dit pas non, surtout que, bon, je sais pas chez vous, mais en tout cas la pluie est revenue, le froid commence à arriver quand même, parce qu'on a eu un automne assez chaud, ouais. Donc voilà, c'est tant mieux. Alors si comme moi, vous êtes en quête de soi, en quête de reconnexion à soi, de reconnexion à son intuition, à la voix qui murmure des bons conseils, à sa sagesse intérieure. Vous mettez tous les mots que vous souhaitez selon vos ressentis, vos perceptions et la linguistique qui va avec. En tout cas, si vous souhaitez approfondir tout ça, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut aller explorer ensemble sous forme d'accompagnement individuel pour vous permettre de mieux connaître, pour vous permettre une meilleure connaissance de vous, pour vous permettre de mieux, enfin d'arriver à écouter votre intuition, écouter les messages de votre corps. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie, je me présente un petit peu parce que potentiellement il y aurait des nouveaux arrivants actuellement sur la chaîne. Donc je m'appelle Noélie, je suis de formation professionnelle danseuse et chorégraphe, dont je continue cette activité et je mets en place aussi des accompagnements individuels. Et j'ai développé également, donc je suis cartomancienne passionnée comme vous pouvez le voir, à travers ces tirages, je crée actuellement des outils de développement personnel, notamment des oracles aussi. J'ai développé, de par mon passé et mon présent aussi de danseuse, j'ai développé la méthode circulation corporelle. Si ça t'intéresse, tu peux trouver, je mettrai le lien, il y a eu un live de fait il y a quelques semaines de cela sur la chaîne YouTube Les Arborescences de Pan. Ça peut te donner un petit avant-goût, un tout petit hein, avant-goût de cette méthode circulation corporelle. Et puis, je l'espère, il se passe beaucoup de choses pour moi, j'essaie de gérer un petit peu tout. Mais j'espère que dans le courant du mois de décembre, tous les outils, tous les supports seront mis en route vers vous, notamment le site où je pourrai vous détailler davantage les contenus proposés, les supports, les outils et les tarifs qui vont avec. En attendant, si la curiosité te prend, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Je mets aussi en dessous de la vidéo, dans la description, l'adresse mail. Et voilà, voilà. Et sinon, pour ceux qui ont Instagram aussi, il y a le compte Instagram, pareil, du même nom, lesarborescencesdepan, où il y a des petites propositions en plus de ces vidéos guidance, tirage, champ vibratoire, et puis je vous réserve encore des surprises. Voilà, il y a des choses en plus sur Instagram que ce qui peut se trouver sur cette chaîne YouTube. Bon, l'introduction terminée, nous allons voir du coup les énergies pour cette nouvelle lune en Sagittaire. On va commencer avec l'oracle Queen of the Moon Oracle. Je vous montre pas le paquet en fait. Voilà. Pour voir la thématique générale. Et ensuite on ira voir avec le tarot. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à traverser, à développer, à poursuivre pendant cette nouvelle lune? Hop là. Il a du mal à se réveiller ce jeu-là. Je le sens, ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté.
Allez, quel est le message principal, général ? Résilience. Waouh. Résilience. Alors là, je vois, vous voyez un petit peu le mythe d'Atlas qui porte le poids du monde sur ses épaules, qui porte la terre entière sur ses épaules. Il y a du coup, effectivement, on parle un petit peu plus de cette sortie de la période de l'automne de cette année, où tout était mis en place, en fait, tout concourait à nous faire ressortir des blessures du passé, les nôtres, les blessures transgénérationnelles, karmiques, karma familial, karma personnel. Il y avait un petit peu tout ça qui pouvait potentiellement nous faire sentir une certaine lourdeur dans le corps et surtout au niveau du dos, vraiment du crâne au coccyx, hein, toute la colonne, toute la structure en fait. Le dos représente la famille, hein, et notamment énergétiquement, on est censé avoir en fait une queue. Et plus elle va loin vers la terre, cette queue énergétique, hein, si vous travaillez votre magnétisme, vous pouvez même la sentir. Et cette queue, en fait, elle représente, plus elle va vers la terre, plus elle représente un enracinement et une connexion à ses ancêtres, en fait. Donc il y a un petit peu tout ça, voilà. Il y avait une lourdeur du corps, une fatigue peut-être, un besoin de se détendre le dos, de se réchauffer le dos et de se réchauffer le cœur. Et il y a, voilà, il y a aussi un peu des passés à l'échelle mondiale aussi, hein, du passé de la soumission à un ordre établi, à un système qui ne prenait pas forcément, qui ne permettait pas forcément à échelle individuelle de développer sa propre liberté, sa spontanéité, justement, tout ce que le Sagittaire nous invite à développer là actuellement. Voilà, donc on sort de ça, on pose un petit peu la boule là qu'on est tout le temps constamment en train de se coltiner sur le dos. On l'a allégé, on s'est allégé. Et on continue de faire ce chemin-là pendant cette nouvelle lune. Ouais, donc il y a vraiment tout ce qui est enchaînement en fait. Enchaînement, esclavage, sacrifice, soumission. Voilà, vous mettez tous les mots que vous souhaitez, mais il y a vraiment cette idée-là. Allez, je vais prendre une deuxième carte. Vers où on va? Bah, vers un nouveau départ, vers une nouvelle porte. Hein. Et là, je vois la pleine lune, donc ça va potentiellement de 2 semaines pour la prochaine pleine lune, de cette nouvelle lune à la prochaine pleine lune, mais aussi, et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'expérimente de plus en plus, je prends de plus en plus conscience de ça. Plus on développe en fait son intuition, sa claire... tout ce que vous voulez, audience, voyance, sentience, etc., sa médiumnité, plus on se connecte en fait à son moi du futur dans 6 mois. C'est vraiment des cycles de 6 mois. Donc le travail, les problématiques dont on est en train de finaliser les prises de conscience à la suite de cet automne, elles vont se dégoupiller. C'est vraiment comme une arme, quoi. Bloup, il y a la balle qui va arriver. L'univers va nous renvoyer la balle aussi par rapport aux énergies et aux intentions qu'on est en train de poser actuellement à la suite des compréhensions de cet automne. L'univers nous renverra la balle à la prochaine pleine lune en Sagittaire dans 6 mois. Ça fonctionne souvent comme ça quand on se rapproche un petit peu plus de l'invisible, de son yin, de son féminin, de son intuition, de sa voix intérieure, etc., etc., de son enfant intérieur. J'ai oublié le début de la phrase. Quand je suis dans un état de canalisation, c'est ouh. Mais voilà, quand on se connecte un petit peu plus du coup à la lune, à sa lune intérieure et à la lune, au cycle de la lune, et tout ce qu'elle peut faire, qu'elle peut transmettre comme énergie et compréhension et prise de conscience, et bien voilà. Bon, je crois que le message était surtout, était déjà passé, et énergétiquement aussi. Donc du coup, j'ai plus besoin de finir ma phrase. Je crois que ça se passe comme ça. Bon, ok, allez, on garde son cerveau quand même un petit peu, bah justement, je vois un dos de deck, on garde son cerveau, on garde son discernement. Ce qui me fait, je fais un petit parallèle, parenthèse, pardon, en plus je bug au niveau des mots. Bah, ça commence bien.
Une petite parenthèse que j'ai pas dit au début et que je rappelle souvent, c'est une guidance ici présente générale. Donc prenez si ça vous parle, ne prenez pas si ça vous parle pas. Si j'arrive à faire des phrases construites aussi, ce serait pas mal. Mais voilà, gardez votre discernement. Tout n'est pas forcément pour vous dans les messages que je véhicule ici. D'autant plus que ces messages que je véhicule, je les canalise, mais ils passent par mon prisme aussi de compréhension, par ma linguistique, par mon énergie. Donc, je peux avoir une vision des choses qui n'est pas en adéquation avec vous, votre vision des choses. Donc, essayez pas d'appliquer ce que je dis si c'est pas écologique avec vous, avec votre façon de voir, de dire, de penser, de sentir les choses. Hein? C'est très important pour moi de vous le rappeler à chaque fois. Donc gardez, et puis du coup, bah voilà, en attendant, pendant cette période de 6 mois de la nouvelle lune en Sagittaire à la prochaine pleine lune en Sagittaire, qui doit être en mai-juin, un truc comme ça, je pense, enfin dans 6 mois quoi, je suis pas bonne en maths non plus dans l'état de canal, gardez votre discernement. Et nettoyer toutes les pensées en fait qui gravitent autour de votre tête et qui créent ce brouillard là comme ça qui et en même temps laissez-les un petit peu comment dire, c'est un peu comme si voilà vous aviez un brouillard comme cette femme là, autour des nuages autour, la tête dans les nuages aussi un petit peu hein. On peut avoir l'impression d'être un peu la tête dans les nuages parce qu'on a ouvert beaucoup d'informations dans nos champs, dans notre champ quantique, informationnel, autour dans nos énergies. Ce qui fait que on ne voit pas forcément au loin ce qui se passe. Par contre, le discernement, il nous aide en fait à trier ce qu'on a dans le sac à dos, à trier les informations. Ça, j'ai pas besoin de le traiter maintenant. Ça, ok, je vois bien que ça m'aveugle en fait dans une situation. Ça, c'est une illusion. Ça m'empêche d'avancer dans ce que je veux mettre en place. Ça m'empêche d'aller vers cette nouvelle porte, vers ce nouveau départ. Donc ça, je vais le regarder vraiment de près, quoi, devant les yeux. Et paradoxalement, en même temps, là, du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la lune, justement, la lune qui est devant le troisième œil. Le discernement, c'est ça, c'est traiter les priorités, en fait, au niveau des informations auxquelles vous avez accès, les prises de conscience, traiter en priorité celles qui vous paraissent importantes pour à la fois, pour faire dialoguer, en fait, le mental, donc le cerveau plutôt gauche, si je ne m'abuse, rationnel, etc., et donc qui potentiellement aussi peut nous aider dans ces remarques à s'ancrer, à garder une place ici sur Terre, les pieds bien ancrés, dans le concret, dans le quotidien, et le cerveau droit, celui de l'intuition, le cerveau droit, le yin, le féminin, voilà, faire dialoguer ces deux parties, en fait, c'est ça, le discernement nous aide à ça, à garder son troisième œil ouvert pour pouvoir fermer les deux autres, qui ne croient que ce qu'ils voient, hein, avec le sens de la vue, ça va au-delà aussi avec tous les sens, en fait, l'ouïe, le goût, le toucher, j'en oublie peut-être un, bon bref. Et parfois, bah, ces sens-là, ils nous maintiennent dans une certaine illusion, parce qu'il nous manque ce sixième sens, en fait, cette intuition. Hein. Donc on est en train de trouver un équilibre, en fait, entre l'intuition et... qu'est-ce que j'entends? L'intuition et... L'intuition et le regard sur les choses, le regard sur soi, sur le monde. Et là, vous voyez, cette femme-là, elle tient une sorte de boule de feu. Il y a cette idée de magnétisme aussi, de feu intérieur. Bon, ça me rappelle un petit peu le message que j'ai posté hier dans le tirage rapide sur Instagram. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est qu'on s'apprête à rentrer dans une nouvelle période de notre vie. Et on est en train de faire grandir cette boule-là. Cette boule de feu qui est le mélange, on devient vraiment un canal quoi, qui est le mélange entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques. Telluriques qui sont maintenant un peu plus nettoyées. Bon, rien n'est jamais terminé, c'est tout le but de nos parcours de vie sur Terre. Mais un peu, en tout cas, ces énergies telluriques en nous qui sont un peu plus nettoyées de toutes les chaînes, de tous les karmas. De l'humanité, bon, hein, c'est pas terminé, mais on se sent quand même à échelle individuelle, ça nous empêche plus de créer sa vie comme on le souhaite, enfin ça nous empêche plus aussi, mais
il y a des allègements. De jour en jour, là, on prend conscience de plein de choses qui nous allègent, en fait, pour créer sa vie et pour passer cette porte que l'on souhaite, qu'on s'est créée, qu'on s'est construite, hein, vraiment. Et en plus, il y a une sorte de remerciement, là, c'est pas dans les cartes, mais je le canalise, il y a une sorte de remerciement aussi pour ces lourdeurs-là qu'on a portées de potentiellement toute sa vie, que nos parents aussi nous ont appris, c'est tout. Là, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'acquis. Eh bien, on est en gratitude pour ça, en fait. Avant, on voyait vraiment ça comme une lourdeur, et en même temps, toutes ces problématiques-là nous ont permis de être en... Comment dire? C'était un peu comme des traductions... Enfin, en décoinçant ce karma, on se rend compte que notre âme a réellement choisi ce karma-là, parce que ces blocages, ces embûches, ces lourdeurs nous amènent maintenant des messages de l'ordre de notre dharma, de l'ordre de notre mission, de ce qu'on est venu incarner, de ce qu'on veut traverser, de la porte qu'on veut traverser. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Alors, on va prendre l'oracle de Ciro Marchetti, si je prononce bien son nom. C'est l'héritage de l'oracle d'ailleurs, du tarot plutôt. Enfin, c'est un tarot, c'est pas un oracle. Je dis un truc alors que je veux dire une autre chose, c'est super. Ça continue. Je suis en train de réaliser que je pourrais m'arrêter là. Mais on va continuer quand même, on va aller fouiller un petit peu plus. Allez. On va prendre une carte, déjà générale, pour les énergies, pour continuer. Hop là, merci, il a mis un peu de temps à tomber. Le passé, ou bien ce qui bloque. Le futur, ou bien ce qui aide, ce qui est à développer. Il y en a deux. Merci. Qu'est-ce que je voulais? L'état, je n'ai pas fait l'état actuel. Du consultant, vous êtes plusieurs, mais des consultants. Et la synthèse, hop là. Alors la synthèse, elle tombe un petit peu quand même sur l'état. Ce qui fait que vous êtes déjà dans un état dans lequel vous êtes déjà en train de passer cette porte, en fait. Parce que vous l'avez créé, vous, à votre image. Donc l'idée, c'est de continuer, de persévérer dans son discernement, dans son discernement. Pour continuer de créer sa vie avec son énergie vitale, avec ce qu'on a transmuté du cosmique et du tellurique en tant que canal, quoi. Et donc, du coup, le résultat, la synthèse de ce tirage est tombée, la carte est tombée, j'aurais pu ne pas m'arrêter là-dessus, mais là, je trouvais que ça avait du sens, elle est tombée sur la carte centrale de l'état, de votre état d'esprit actuel. Ce qui fait que vous êtes déjà dans l'état d'esprit d'aboutir à... C'est le sagittaire, hein. Le sagittaire, c'est le centaure, là, qui tire à l'arc. C'est un petit peu comme le chaman. On arrive maintenant, je dis on parce que je m'inclus dedans aussi, hein, parce que ces tirages me parlent aussi. On arrive maintenant à se connecter, voilà, c'était le message de cette carte, on arrive à se connecter à ce qu'on sera dans 6 mois, aux énergies de dans 6 mois. Parce qu'il y a une partie de notre futur aussi qui vient à nous donner quelques petites clés. Alors ça peut ne pas être pris en conscience, en fait, ça peut être juste des ressentis, des trucs, bon, on s'arrête à peine dessus, et puis en fait 6 mois après, on se dit, ah mince, mais en fait... Là, j'ai une impression de déjà-vu, par exemple, ça peut aller jusqu'à l'impression de déjà-vu. Ah bah oui, je suis en train de boucler une boucle, en fait, qui datait de il y a 6 mois. Voilà, bon. Donc, il y a une persévérance. La période, là, le message que je reçois, la période a été peut-être lourde pour certains, peut-être un peu épuisante. On en sort, c'est moins lourd, parce qu'on a allégé les choses. Potentiellement vous ne vous êtes pas tant vous êtes affirmé, vous vous êtes pas nanana sur votre sort. J'ai même plus le terme, voilà, il a disparu de mon vocabulaire. Très bien, tant mieux. Alors donc qu'est-ce que voilà, j'allais dire un gros mot tellement c'est
regardez-moi cette similitude de cartes. Je demande une carte pour aller plus loin. En fait, c'est bon, on est déjà allé assez loin. On a le 2 d'épée, du coup. Ça, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est vraiment... Alors, les deux dans le tarot, c'est un petit peu... Attendez, je vais mettre ça, si ça veut bien. Là. Oula. Oula là. La décoration est fastidieuse. Tac. C'est pas mal, non? Sauf que vous voyez pas. Alors, on va avancer un peu. Bon, alors, donc... ça serait pas mal de pas y passer trop de temps non plus. Donc, le 2 d'épée... Voilà, comme ça, je peux étaler mes cartes. Le 2 d'épée, les deux dans le tarot, c'est... Il y a un choix à faire entre deux options. Potentiellement plus, mais en tout cas, entre deux options. Il y a potentiellement aussi intérieurement une dualité. Le 2, on vient de passer simplement l'as, le renouveau, le nouveau départ, hein, la nouvelle porte. Et donc potentiellement certains, vous êtes déjà passé, vous avez déjà passé cette porte énergétique, cette nouvelle vie. Mais le 1, bon, c'est vraiment, il y a toutes les possibilités, tout est possible, quoi. Le 2, on a un petit peu réduit les... C'était là que je vous disais ça. On a un petit peu réduit les possibilités. Bah forcément, pour concrétiser les choses, il faut faire des choix. On n'a pas le... c'est pas le but en fait de notre présence de tout développer dans ce qu'on veut développer, d'accord? Donc c'est une dualité aussi un petit peu intérieure. Alors on a toujours la lune là, vous voyez, donc je sais pas si c'est la prochaine pleine lune ou dans 6 mois, mais elle va être costaud celle-là. Voilà, donc le 2 c'est un choix à faire, on jongle un petit peu entre deux choix. Dites-vous toujours, là le message que je canalise, c'est dites-vous toujours que si vous choisissez une des deux options, ça ne veut pas dire forcément que l'autre est complètement anéanti, totalement impossible. Si cette première option que vous avez prise, choisie, ne vous convient pas et vous vous en rendez compte, d'où le discernement à maintenir dans ses énergies et dans sa façon d'aborder la vie. J'avais pas vu, mais la carte de la porte, c'est un 2 aussi. Bon. Il y a un portail énergétique là d'ailleurs, je crois aussi, du 22. C'était hier, je crois. Moi j'arrive plus à suivre là, je suis tellement sur d'autres choses aussi que je m'arrête plus tellement. Je ressens juste les énergies, mais à quoi ça correspond, je ne sais plus. Mais oui, je crois qu'il y avait un portail du 2, 2022. Enfin voilà, on est en train de boucler tout ça quoi, toute cette année qui était quand même costaud aussi. Alors potentiellement pour certains aussi c'est là vous êtes en train de dénouer, de finaliser des choses par rapport à la pleine lune d'il y a 6 mois. Hein. Je parle du futur là mais ça peut être aussi par rapport au passé. On est ici maintenant, dans cette nouvelle lune, on peut regarder dans le passé il y a 6 mois et dans le futur dans 6 mois. Et voilà, et on avait peut-être, ouais c'est ça, pardon je suis en train de fouiller en même temps, et peut-être qu'il y a 6 mois on avait fait un choix. Avec le mental, parce que les épées c'est le mental. On avait fait un choix de façon rationnelle il y a 6 mois, sur lequel on est en train de retourner et de se dire en fait, maintenant que j'ai développé un peu plus mon discernement, mon intuition, mon côté yin, en fait je vais peut-être prendre l'autre option. Potentiellement il y a ça. Donc attention à pas vous alourdir de penser, de... Enfin, observez un petit peu tout le fonctionnement, toutes les pensées qui viennent. Répondez à ces peurs, à ces doutes, parce qu'ils ont lieu d'être. Hein. Répondez, ok, je t'écoute, quelle est la solution que tu me proposes? Est-ce que le féminin, mon féminin en moi, ne peut pas imaginer une solution aussi? Participez à répondre à ces doutes du mental, du cerveau, du côté rationnel, et du côté rationalisant de la société aussi. Écoutez aussi votre entourage. Qu'est-ce qu'ils vous font comme remarques qui pourraient vous blesser ou même si vous les écoutiez, vous freiner dans vos projets? Parce que en fait, ils vous envoient des messages de ce que vous vous dites intérieurement et que vous n'écoutez pas au niveau du mental. Et du coup, ça vous aidera à choisir. À choisir avec l'intuition, d'accord? Et pas que avec l'essence. Enfin l'essence, avec votre essence profonde et pas que avec les 5 sens. Voilà. Bon. Il y a plusieurs cas, hein. Donc soit certains sont plutôt reliés à la prochaine pleine lune. Il y a un truc qui a été dégagé là en disant ça, je trouve.
Enfin, je le sens là. En vous disant ça, pour certains, ça a été dégagé. Ouais, et il y a du gros changement en fait entre. Vous voyez, bon là c'est une étoile, mais en fait je vois les deux bagues là, un peu entre le soleil et la lune, entre le jour et la nuit. j'ai entendu ça ce matin et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'était une expression, enfin c'est une expression que j'avais oubliée, pourtant elle est assez anodine, mais y en a qui ont beaucoup changé ou qui voient autour d'eux des gens qui ont changé qui se disent non mais c'est le jour et la nuit quoi, enfin c'est vous voyez cette expression, c'est le jour et la nuit, voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de changements. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais boire un coup d'eau d'abord. Eh ben, ouais, on a encore la lune. Il y en a qui ont la tête dans la lune, hein. La tête dans les nuages. Mais c'est pas grave. Acceptez aussi cet état, peut-être, dont vous avez peut-être pas l'habitude, d'ailleurs. Là, on est dans les énergies à développer, à débloquer, à assumer, à affirmer en soi, hein. Où on pense que c'est un blocage, mais tout blocage a une part d'enseignement. Tout doute, toute peur a une part d'enseignement. Donc là, il y a vraiment continuer hein, dans ce projet, même dans ce processus de vous reconnecter à votre part féminine. Hein. Et vous, enfin là, il y a tout un décor égyptien. Il y a l'eau aussi, les émotions, hein. Donc pour certains vous allez aller très loin dans une reconnexion à des savoirs ancestraux égyptiens ou autres, hein, mais là c'est puissant quoi, c'est vraiment puissant, puis on a la lune partout quoi, enfin j'ai pris un tarot sur la lune, enfin un oracle sur la lune, donc c'est évident, mais même sur le tarot il y a la lune partout. Bon allez, on va voir. Du coup, les énergies, qu'est-ce que j'ai dit là? Les énergies qui aident ou dans le futur. Ouais, donc pour certains, c'est déjà fait. Hein. Vous avez énormément travaillé sur une reconnexion de vie ancestrale avec une reconnexion de savoir. Vous n'êtes pas obligé de savoir que vous avez vécu à telle époque, que vous habilliez comme ça, que vous aviez tel métier en Égypte ancienne, patali patala, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait toute la croisière de tourisme dans vos vies précédentes. Je dis ça en rigolant parce que voilà, c'est pas le but, c'est pas du tourisme. Le but c'est pas de savoir et puis du coup de s'enorgueillir un petit peu, ah bah ouais j'ai vécu là. Si, ça, non, c'est juste des téléchargements informationnels, quantiques, donc, même si vous avez, et d'ailleurs il vaut mieux pas avoir trop connecté, parce qu'après les images, les souvenirs restent, et c'est pas comme ça qu'on continue notre chemin de petite âme. Le but c'est pas d'avoir regardé le film de ses vies antérieures, le but c'est d'avoir les énergies, les connexions énergétiques, informationnelles nécessaires pour les transmuter là, maintenant. Vous voyez, bon, je me suis un petit peu étalée, mais c'était peut-être important de faire cette petite parenthèse. Donc ça, c'est pour certains, par le passé, vous avez, même peut-être pour tous, hein, je ne sais pas, je dis plusieurs possibilités, mais en tout cas, pour certains, vous avez reconnecté très profondément avec des savoirs. Avec des savoirs de votre âme, hein, que vous avez, parce que vous avez expérimenté ça. Avec des savoirs aussi... Ouais, je reviens sur le terme de résilience. Hein. Il y a maintenant une possibilité en fait de plus porter ce poids du karma, quel qu'il soit transgénérationnel, personnel, de l'inconscient collectif et du monde. Hein. Mais il y a une acceptation là. Vous voyez, elle vient de prendre son bain. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait là, avec ce crabe là, mais bon, elle est tranquillou quoi, cette dame. Elle est toute. Tout en grâce, tout en légèreté, tout en voilà, donc c'est un petit peu ça aussi qui vous met la tête dans la lune, quoi, c'est un peu ce côté nymphe, quoi, vous voyez, nymphe qui se baigne au bord de l'eau, c'est vraiment le côté féminin, et donc, je vais y arriver, donc soit dans le futur, soit ce qui va venir à vous, peut-être de l'extérieur aussi, et certainement de l'extérieur, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures dans le tarot, si vous avez... Bah là aussi c'est une arcane majeure d'ailleurs. Donc c'est vraiment les énergies extérieures. Les arcanes majeures, ça parle plus de ce que vous amène l'univers
pour votre cheminement initiatique, votre chemin initiatique individuel qui sera plus représenté par les cartes mineures qu'on avait là par exemple avec le 2 d'épée. Donc là on a... Attendez que je... Oui, je sais pas laquelle est tombée en première, mais je le sens comme ça. On a la roue de fortune. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette idée de changement, mais à l'échelle mondiale, universelle même. Enfin, universelle, ouais, au niveau de tout le cosmos, quoi. Enfin, c'est... Là, c'est... Il y a des gros changements, grand changement. Et donc, suite à ce fait de... Le fait que, voilà, vous sentez que les choses ont changé, c'est le jour et la nuit en vous, ou autour de vous, ou les deux, et où. Mais vous sentez aussi que ça n'est pas terminé. Par contre, vous êtes un peu plus tranquille, parce que vous avez votre intuition, parce que vous avez fait l'équilibre en fait entre votre intuition et votre discernement, parce que vous avez retrouvé votre colonne, vous êtes guéri. Il y a cette notion de résilience. Résilience, ça veut dire aussi que si, même s'il y a des chutes, même si vous voyez là, le petit fou là, celui-là, il n'est pas loin de tomber de la roue, parce que la roue elle tourne trop vite, il y a trop de changements, tout ça. La résilience que vous avez déjà expérimentée dans cette vie, ou en vous connectant à une résilience de l'ordre de votre âme et de la force de votre âme, vous avez vraiment reconnecté en fait avec... Vous avez reconnecté avec votre force de résilience de votre âme et à tous les niveaux, dans tous les corps. Il y a vraiment ce truc de vous rassembler à vous, à tout ça quoi. Et donc, je vais y arriver, et donc vous savez que si malgré tous ces changements, et vous savez qu'il y en a qui arrivent encore, puisque là on est dans le futur, vous savez que vous allez toujours vous en sortir, vous vous tout ce que vous voulez. Vous pourrez poser à nouveau du baume sur votre cœur. J'ai le soleil qui m'éblouit là tout d'un coup. Il y a beaucoup d'événements dans ce tirage, hein. Voilà, vous savez que vous avez cette force de résilience qui ne vous quittera plus parce que vous avez reconnecté avec votre féminin. Vous savez que vous pouvez changer d'option à tout instant parce que vous avez votre discernement et vous sentez que grâce à ça, grâce à cette force de résilience, grâce à cet allègement aussi auquel vous avez énormément travaillé, vous passez cette porte en toute sérénité. Et donc... vient à vous, du coup, oupla, le soleil là c'est à fond là, il pleuvait il y a quelques minutes, je sais pas si vous voyez, mais là du coup j'ai presque l'impression que, voilà, ça donnait un petit peu l'impression du Big Bang quoi, tout va disparaître dans la lumière, c'est exactement ça. Donc on a en deuxième carte, on a le pendu, mais à l'envers, donc il est à l'endroit, enfin voilà, vous me suivez. Le pendu, dans le tarot, quand il est dans ce sens-là, il représente un nouveau point de vue. Alors là, bon, je ne sais plus exactement ce que représente le pendu à l'envers, mais pour moi, c'est plutôt positif dans le sens où vous êtes en train de connecter, de vous mettre en mouvement pour tourner dans cette roue, de reconnecter... et de rebondir en fait, de reconnecter avec cette faculté que vous avez expérimentée, peut-être il y a peu, de vous arrêter à chaque fois que vous en aviez besoin, de vous arrêter pour un nouveau point de vue, parce que c'est ça le pendu, ce que ça représente. C'est changer de point de vue, changer de vision de la vie, s'arrêter pour changer de vision de la vie, de sa vie, de soi, de voilà. Allez-y donc. C'est une fenêtre où j'ai pas de rideau, donc je peux rien faire en fait. C'est pas grave, ça va être hyper lumineux. Non, pas du tout. Alors, oui, enfin si, c'est peut-être pas pour rien que... Tac, 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 ouais, elle est à l'envers aussi, on la laisse à l'envers. Donc votre état d'esprit actuel, c'est quand même assez paradoxal, mais je trouve ça très joli, très chouette. Vous aviez ces 6 derniers mois, on va rester sur cette idée des 6 derniers mois, je sais pas si vous voyez les cartes, hein, mais bon. Parce que moi je vois rien du tout en fait, j'ai le soleil dans les yeux, c'est super, je vais bronzer un petit peu, je suis pas partie en vacances cet été. Donc vous aviez ces deux choix, ces 6 derniers mois,
Ok, vous avez peut-être pris une option et puis finalement vous prenez l'autre. Ou vous changez pas. Enfin, comme je vous disais, gardez votre discernement. Si vous avez rien à changer dans votre vie actuellement et que vous êtes très content de ce que vous êtes en train de développer, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais voilà, potentiellement. Après, on a plusieurs domaines dans la vie, donc ça peut être pour certains domaines professionnels, pour d'autres c'est plutôt sentimental. Il y a peut-être dans un des domaines de votre vie un truc. Vous aviez fait un choix et puis vous allez prendre un autre choix. Bon, bref, tout ça pour dire que donc là on était entre deux options et là on a le 7 de coupe. Alors oui, ça, oui, ok. Ok, je comprends. Ce que j'allais dire, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe en général, c'est le choix entre plusieurs choses, mais alors plein de choses, hein, entre 7 options. Donc vous imaginez. Et là c'est à l'envers. Alors. Potentiellement, vous passez entre deux choix à plein. Tout est possible en fait, c'est ça, c'est cette lumière de tout est possible. C'est pour ça que j'ai le soleil dans la tronche là. Tout est possible. Et vous le savez maintenant, c'est acquis. Vous le savez, mais il y a une... y a peut-être quelques craintes quand même. Il y a peut-être quelques craintes, quelques doutes qui reviennent, mais maintenant que vous avez vraiment votre part féminine de guérie, hein, parce que le féminin dans notre société, vu la direction que notre monde a pris jusqu'à présent, le féminin et le féminin intérieur est quand même plutôt blessé. Je dis pas le masculin aussi, hein. Il y a d'autres problématiques qui se présentent, mais quand on travaille sur son féminin sacré, on se rend bien compte qu'il y a des comportements qui sont... sont prégnants quoi, qui sont donc ouais, ok, pardon, je canalise plein de trucs là en même temps. J'ai le 7 en fait, le 7 de coupe, et pour moi c'est relié à cette guérison de la lignée, mais presque jusqu'à 7 voire plus générations au-dessus de vous. Donc on retrouve en fait cette colonne vertébrale qui est devenue plus souple, vous voyez ce que je veux dire, on a compris un petit peu plus quels étaient les enjeux karmiques, les bagages avec lesquels on est venu dans cette incarnation. On a reconnecté avec son féminin, avec des savoirs, avec une puissance, avec une énergie venant de notre âme et de notre lumière. Ce qui fait que maintenant, tout est possible. On n'est plus entre deux choix, si, ça, avec tout ce qui est mental, qui est plutôt dans les deux extrêmes, c'est soit noir, soit blanc. C'est soit je fais ça, soit je fais ça. Pas entre les deux. Et je peux pas changer d'avis. Et vous voyez ce truc un peu rigide comme ça. Et bien maintenant que ça a reconnecté avec le féminin, bah, c'est bon quoi. Enfin, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'être éblouie par le soleil. Je vais peut-être arrêter cette vidéo dans peu de temps du coup, parce que ça commence à être... je vais devenir aveugle. mais voilà, enfin, y a vraiment cette lumière quoi. Cette lumière. Alors j'arrive plus à savoir pourquoi c'est à l'envers. Si c'est à l'envers, à l'endroit, là dans les messages que je reçois, je sais plus tellement. Parce que en fait, c'est pas important pour vous. C'est pas important parce qu'il est tombé dessus le 3 de coupe dans le résultat, dans la synthèse. Le 3 de coupe, c'est la joie de vivre, c'est la légèreté. Vous voyez cette femme qui danse. C'est la trinité, c'est l'équilibre retrouvé, c'est le fait de l'enfant intérieur, le fait de jouer de la musique, de danser. C'était vraiment le... Alors, il y aurait pu y avoir la carte du fou, en fait, du tarot, sauf que le fou, du coup, c'est une carte majeure, enfin, une arcane majeure. Ce qui fait que j'aurais pu, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dire que c'est... plutôt ce qui nous a apporté en fait. Mais non, là c'est de par votre travail sur vous, de par ce que vous avez expérimenté, c'est vous le méritez en fait, ce bonheur et cette joie de vivre. Et cette reconnexion avec les émotions aussi. Vous voyez, vous arrivez maintenant à... C'est super. Vous arrivez à exprimer vos émotions et à avoir de la lumière en toute situation. Donc voilà, c'est reconnecter avec ce tout est possible, et du coup c'est pas important de savoir si... Enfin là, dans le tirage, moi, ça m'importe peu, on me dit, de savoir et de vous dire si c'est déjà acquis ou pas, en fait, cette notion de, bah, quel que soit le choix que je fais, il sera bon. Vous voyez?
Parce que c'est là, c'est déjà connecté à votre futur, ça vient du passé, enfin c'est la roue quoi, hein, tout est confondu. Donc qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, en fait ça importe peu. Voilà. Oh, j'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'on va prendre pour terminer tout ça? Gaïa? Ouais. L'oracle de Gaïa. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je prenne. Voilà. L'oracle de Gaïa. J'essaie de jouer avec la lumière du soleil. Nous réchauffant. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu dans cette énergie aussi là. Vous voyez que je suis un petit peu plus excitée, légère. D'ailleurs, je bougeais ma chaise qui fait beaucoup de bruit. Mais voilà. Donc, vous êtes en train de découvrir une nouvelle partie de moi qui est un petit peu plus. Qui fait un peu plus l'idiote. Souvenir. J'entends coquillages et crustacés. Souvenir des émotions passées refont surface. Bah oui, avec cette légèreté. Du coup, vous n'avez plus peur non plus des émotions que vous avez connues comme étant. Qui avaient une connotation jusqu'à présent pour vous négative. Pour vous, pour votre entourage, c'est pareil. On vous aurait appris potentiellement que bah, telle émotion. Oh, encore un 21, c'est incroyable ça. La résilience, il y a des émotions. C'est fou cette similitude des cartes. Hein. Je ne sais même pas si j'ai besoin de tirer, en fait, j'avais juste besoin de regarder le dos de deck de l'oracle de Gaïa. Vous voyez ou pas? Ces deux femmes avec ces lierres, comme ça, ces lianes. Il y a un truc au niveau du dos, bon, elle est un petit peu courbée, mais là, je sens en fait cette colonne vertébrale aussi retrouvée avec cette carte là aussi. Oh là là! Hop, on va essayer de faire un mélange de ces trois cartes potentiellement pour faire la couverture de la vidéo parce que c'est exactement ça. Tac. Si ça se trouve, c'est même pas ça que je vais mettre. Bref, ouais, donc il y a des souvenirs qui remontent en fait de par ce travail, qui remontent encore, bah c'est la lune. Hein. Mais c'est pas grave, vous continuez en fait de voir que tout est possible, ça vous freine plus dans votre chemin en fait. Et puis du coup il y a des émotions positives aussi, des émotions de l'ordre de l'enfant intérieur qui refont surface et alors vous voyez sur cette carte elle a encore le oh là là je m'en sors pas là vous voyez là ouais. Elle a un voile devant les yeux aussi, elle a un voile mais elle regarde vraiment droit devant elle donc en fait vous n'avez pas du tout le regard voilé, vous avez juste posé, bah oui c'est ça en fait, vous êtes un petit peu protégé de la lumière extérieure, chose que je devrais faire, je vais finir par mettre les lunettes de soleil. Mais voilà, vous êtes protégé en fait un petit peu de l'illusion de vos sens et de votre vue et de votre mental qui veut toucher, qui veut voir, qui veut sentir les choses pour vous reconnecter à cette joie, à ce truc intérieur, à cette lumière intérieure, à cet enfant intérieur, au chakra sacré mais aussi le chakra du plexus solaire. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, c'est juste que je voyais ce voile devant les yeux encore une fois. Donc vous avez reconnecté avec cette intuition. Allez. Quel est le message final? On n'a même pas besoin de demander vers quoi ça va nous mener, à quoi ça sert, tout ça. Hein. On le sait, on le sent déjà. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Ça, c'est fini, ça. Le reflet, les jeux de miroir. Parce qu'on est son propre miroir maintenant. Enfin bon, on continue de voir dans les situations et les comportements des autres son miroir. Mais c'est plus tellement ça qui est le plus source d'enseignement pour continuer dans ses prises de conscience, sa meilleure connaissance de soi. Parce que on est sorti. Comment ? On est sorti de l'appréhension, du doute, de ces sorties de corps aussi. Hein. Parce que quand vous êtes trop dans le mental, vous n'avez plus du tout aucune conscience de votre corps. On ne peut pas réfléchir et ressentir en même temps au niveau du cerveau. C'est pas possible. Donc tous ces doutes-là, tout ça-là, ce brouillard,
Et potentiellement, il y en a certains, c'était lourd, hein. Et c'était des lourdeurs aussi karmiques, hein. C'était pas que vos appartenances. Alors oui, peut-être il y en a qui ont déménagé aussi. Donc oui, il y avait, c'est allé loin en fait, la sortie de votre conscience corporelle. Et maintenant, vous sortez de cette sortie de corps, vous sortez de ces appréhensions parce que vous avez reconnecté avec votre cœur sacré. J'ai l'impression que ces deux cartes sont déjà tombées à un moment donné. Si c'est il y a 6 mois pour la pleine lune, là je suis ébahie, c'est le terme. Voilà, bon, on va prendre un petit message, celui-là il va l'attraper, un petit message du petit oracle des couleurs. Et puis je vais aller mettre de la crème solaire. Allez, pour terminer, blanc. Bah, il y a toutes les couleurs. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Restez au centre, là, et tout est possible. À partir de votre centre, tout est possible. Et gardez votre discernement. Et gardez la connexion avec votre lumière. Voilà. Eh bien, si malgré tous ces petits événements déconcentrants, vous avez apprécié ce tirage, cette guidance, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, ou en bas si vous voulez, mais je préfère en l'air quand même, pour le bon équilibre du donner-recevoir. Et encore une fois, si vous souhaitez m'envoyer un mail pour me faire des retours, des commentaires, oui, vous pouvez commenter sous la vidéo aussi directement. Mais si vous souhaitez témoigner de façon plus personnelle, plus intime, vous pouvez m'envoyer un mail, encore une fois, à lesarborescencesdepin@gmail.com. Là, je commence vraiment à être éblouie. Et puis, en attendant la prochaine pleine lune, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin et profiter de la présence de vos proches. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à très très vite. Ciao, ciao !